Ils ont bloqué la sortie. Vous t'attendez à quoi? Allez! Toi, attends-toi, on est après. Tu veux faire quoi? Sauter? Concentre-toi, Lynch. Mon dieu. Tu nous as trahis, Kane. Tu nous as laissé crever, tu t'éclates. Ils ont bloqué la sortie. Tu t'attendais à quoi? Allez, il faut atteindre le toit. Et après, tu veux faire quoi? Sauter? Mon dieu. Faut qu'on arrive jusqu'à elle.
Arrête ton moto! Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Pourquoi tu m'as pas dit qui c'était? Parce que sinon, tu m'aurais pas suivi! Ah ouais? Et tu crois que j'aurais eu tort? Et active-toi un peu, il faut qu'on la trouve, merde! Merde, les fenêtres! Elle est pas si conne. Faut voir. C'est pas toi qui m'a dit, monsieur. Faut qu'on arrive jusqu'à elle. Arrête ton moto! Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Pourquoi tu m'as pas dit qui c'était? Parce que sinon, tu m'aurais pas suivi! Ah ouais? Et tu crois que j'aurais eu tort? Active-toi un peu, il faut qu'on la trouve, merde! Merde, les fenêtres! Elle est pas si conne. Faut voir. Jusqu'à elle. Parce que sinon, tu m'aurais pas suivi! Ah ouais? Et tu crois que j'aurais eu tort? Active-toi un peu, il faut qu'on la trouve, merde! Merde, les fenêtres! Elle est pas si conne. Faut voir. Cet endroit jouira de les consulaires. Pourquoi tu la portes pas, toi? Hey, par ici! Ouais, c'est moi. T'es prêt? À qui tu parles? À nos renforts.
On sort bientôt. Tout se passe bien. Attends, on a des renforts? Pourquoi on les a pas amenés? Parce que son identité doit rester secrète. On a besoin d'eux pour l'échange. Monsieur Retomoto, ici Kane. Je sais, je suis désolé, mais je dois récupérer la mallette. C'est Bayon là. Votre fille va vous expliquer. Écoute-moi! Ce fils de pute m'a kidnappé! Papa, ne le laisse pas faire! Ne fais pas ce qu'il demande! Je sais ce que ça fait, mais je n'ai pas le choix. 2 heures. À l'intersection d'un lieu près de la bagnole. Je vais pas me dispiger. C'est vrai, je dois reconnaître que. Ouais, allez, couille. Quoi? Négocier avec Retomoto? Te coltiner sa fille? Ou t'es tapé? Pas te faire foutre. On fait tous des erreurs, et alors? Rien? Fous-moi la paix. C'est pas le moment de me chercher. Ouais. Finissons-en avec ça. Il est là? Je le vois pas. Il est là. C'est l'heure. Tu restes là et tu fais rien tant que je te le demande pas. Ça va aller. Ouais. On va être bien. Toi et moi, hein? Tu vas voir quelque chose? Moi, j'y vois que dalle. Pas grand-chose. C'est trop sombre. Continue à chercher. Ouais, je continue à chercher. Et reste calme, Mitch. Ça veut dire quoi, ces conneries? Je suis calme! C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe en bas? Ça va. Non, ça va pas, merde! S'il y a personne en bas, ils sont passés où? Retomoto, j'espérais vous voir en personne. Monsieur Kane, je n'approuve pas ce chantage. Vous n'avez pas le choix. Vous savez que je la tuerai. Je sais. Mais si nous prenions le temps de réfléchir...
C'est impossible. Kane, calmez-vous. Je sais ce qui s'est passé entre Lisette et vous. Et je sais pour votre fille. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe en bas ? Lynch, ferme-la ! Je sais que vous ne me faites pas confiance, mais il y a un moyen de résoudre votre problème. Je vous écoute. Perds pas ton temps à négocier ! Chope la mallette, merde ! Kane, nous avons déjà travaillé ensemble. Je pense que nous avons des intérêts communs. Nous avons tout à gagner à voir les sept. Déconne pas ! Tu fais ce que je te dis ! D'accord ? Lynch, ferme-la ! Il y a un problème ? Non, aucun problème. Un instant. Qu'est-ce que tu es en train... Calme-toi, putain ! Cette petite pute veut pas se calmer ! Bouge pas ! Lynch ! Arrête ton moto ! Non ! Lynch ! Il y a des snipers par terre ! Je veux que tu t'occupes de ça pour moi ! Attrape le fusil ! Je vois que dalle ici ! Aide-moi ! Putain, merde. Ouais, c'est l'autre truc. Va bien, Lynch. On a fini. Il est là-haut. Mets la camionnette. Mais c'est ce que je fais. J'arrive. Tu nous as trahis, tu nous as laissé crever. Tu t'es capable. J'ai eu trop d'adrénaline. Des conneries. Tu étais comme un fils pour moi. Tu as 3 semaines. Arrête au moto. J'espérais. Arrête au moto ! Non ! Putain de merde ! Il y a des snipers partout ! Je veux que tu t'occupes de ça pour moi ! Attrape le fusil ! Je vois que dalle ici ! Aide-moi ! Une camionnette, à 9h ! À couper ! Reste près de moi. Oui, je le vois, tu le vois. Ah oui, c'est très beau. Écoute-toi parler. Ça. Tu le vois pas ? Près de la camionnette, à 2h. Il est crevé ! Je crois qu'on les a tous eus ! T'es sûr qu'elle est morte, Lynch ? Eh, c'est bon, du calme. Je viens de te sauver les snipers. Passé ici. Ah quoi, j'ai juste essayé de l'arrêter. Est-ce qu'elle est morte? Je sais pas. Couvre-moi. Je crois, ouais. Mais non. J'ai visé les jambes. Oh, merde. Mais quel con. C'est pas croyable. C'est quoi ton problème, tête de neuf? Pas de problème. On doit y aller. J'arrive. Faut pas qu'il s'enfuit. Eh, mais c'est ce que je fais.
On y va! Compris. Espèce de connard. Qu'est-ce qui s'est passé ici? À quoi? J'ai juste essayé de l'arrêter. Est-ce qu'elle est morte? Je sais pas. Je crois, ouais. Mais j'ai visé les jambes. Oh merde! Mais quel con! C'est pas croyable! C'est quoi ton problème, tête de nœud? En charge. Ok! Me donne pas d'ordre! Par ici. Pas de problème! Allez, bouge! On j'arrive! Quel con! C'est pas plutôt de l'autre côté qu'on doit aller? Appelle les sept. Dis-leur que j'arrive. Dis-leur que j'ai ce qu'ils veulent. Il faut que je tente le coup. Ouais, la bonne chance. Je peux pas fuir. C'est bien. Je suis là pour ça. Dès qu'ils t'auront mis la main dessus, moi en tout cas, je serai tranquille. T'as pas encore compris? Toi aussi, t'es un homme mort. Oh non, je crois pas, mon pote. Et qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait un deal avec eux. Connerie. Espèce d'enfoiré! Vous m'aviez promis de... Tu peux devenir l'un des nôtres, Lynch. Tout ce que t'as à faire, c'est de te quitter d'une semaine. Ma mort aura sa place. J'en ai marre!
T'as tout foiré. Et tu sais quoi, Kay? Je suis pas fâché que ça se soit passé comme ça. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Ma famille n'a rien à voir avec ça, ils me connaissent même pas. Ça, Kay, j'en peux plus des excuses minables. T'as échoué, à poiser tout. Carlos, dis quelque chose. Je peux rien faire pour elle. Tu mens, tu mens. Je ferai en sorte qu'elles aient un enterrement décent. Adieu, l'ami. Attends. Tu vas où? On part à la Havane ce soir. La machine est lancée. Le muet va les amener. Elles seront ici dans une heure. Je vais pouvoir leur parler? Oui, bien sûr. Ouais. Tu sais qui les réglo? Ferme ta gueule! Jenny, pleure pas! Je t'en prie! À genoux! Attendez! Attendez! Je dois leur parler! J'aurais dû me douter que c'était toi, espèce de sale enfoiré! Comment t'as pu nous faire ça? On avait réussi à refaire notre vie! Je suis désolé. Je pensais pas qu'ils vous trouveraient. Ça va aller. Fais-moi confiance, Jenny. Regarde-moi. Je t'ai écrit une lettre, ma puce. Te faire confiance? Je préférais sincèrement quand j'étais mort! Non! Attendez! Laissez-moi leur parler! Ah merde, en voilà d'autres. Jenny, baisse la tête. C'est pas fini. Je suis désolé. Je vais tout arranger. Faut tirer vers là-bas. Va te faire foutre! C'est maintenant ou jamais! Ils sont là-bas! Putain, mais j'essaye! Il est crevé! Par là-bas! Compris. Combien ils sont, ces enfoirés? Tue-les. Faut les rattraper! En charge. Faut pas qu'ils s'enfuient! Qu'est-ce que je fais, merde? Et c'est parti! Balance tout ce que t'as! C'est pas vrai. Ne les laisse pas s'approcher de Jenny. Couvre-moi! Comme si c'était fait.
aveugle, connard. Va te faire foutre! Ginny! Non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non! Ginny! C'est pas vrai. Ne les laisse pas s'approcher de Ginny. Faut pas qu'ils s'enfuient. Hors de question. Allez! Les autres s'enfuient! Oui, mais on ne sait jamais. Couvre-moi, je dois parler à ma fille. T'es blessé? Regarde-moi. Est-ce que ça va? Je te promets que tout irait bien. Laisse-moi voir ton visage. Hein? Ça va aller, ma chérie. Je te jure, personne ne fera de mal. Je te le promets. Hey! Ce qui s'est passé quand je t'ai écrit une lettre. Hey! Quoi? Écoute! S'il te plaît, tu peux pas rester avec moi, c'est beaucoup trop dangereux! Cours! Les autres s'enfuient! Oui, mais on ne sait jamais. Couvre-moi, je dois parler à ma fille. Écoute! S'il te plaît, tu peux pas rester avec moi, c'est beaucoup trop dangereux! Cours! T'en veux plus? Ok. Allez! Thank you.
Les autres s'enfuient. Oui, mais on sait jamais. Ouvre-moi, je dois parler à ma fille. Écoute. S'il te plaît, tu peux pas rester avec moi, c'est beaucoup trop dangereux. Cours! Prends ça, Vega. À couvert! Les autres s'enfuient. Oui, mais on sait jamais. Couvre-moi, je dois parler à ma fille. Écoute. S'il te plaît, tu peux pas rester avec moi, c'est beaucoup trop dangereux. Cours! Prends un peu les miennes. J'ai besoin de munitions. Je suis pas loin. Garde-moi. Non, attendez. Laissez-moi leur parler. Vous auriez dû me laisser leur parler. Je suis à sec. Il m'en faut d'autres. Tu crois que c'était une bonne idée? T'as envoyé comme ça? J'avais pas vraiment le choix. Ouais, je sais pas. Bon, je vais devoir faire des choses qu'il ne faut pas qu'elle voie. Boucle-la et aide-moi à porter ma femme. Je te demande pardon. Je suis désolé que ça se termine comme ça, je préférerais être mort. Mais je te jure que je les trouverai avant qu'ils la trouvent. Et je les tuerai avant qu'ils posent les yeux sur elle. C'est quoi ça? Une liste. Ce que les sept ont renié comme moi. Ils meurent d'envie de se venger. Et comptent sur moi. Je vais leur en donner l'occasion. Je devrais être sur ta liste aussi. C'est des conneries. Tu veux pas te venger. Tu veux juste rester en vie. Espèce de connard arrogant. Que tu le veuilles ou non, je te lâche pas tant que les sept et Retomoto sont pas morts. Je sais pas si j'ai vraiment... Arrête ton char! Écoute, ma femme a été butée il y a 5 ans. Sur le coup, j'ai rien fait. J'ai pas l'intention de refaire la même connerie. Tout ce que je veux, c'est qu'il crève, point barre. À toi de voir. Monte. On aura rejoint les autres dans 1 heure. Tu sais où les trouver? Pas tous. On a tué la plupart, d'autres sont introuvables. Mais il y en a plusieurs dans une prison, pas loin d'ici. Hein? Tu veux organiser une évasion? On vient juste de sortir de tôle. Hé, hey, tu veux venir ou pas? Ces mecs sont tous dans le même bâtiment, ça devrait aller vite. Oh, j'aime pas ça. J'ai besoin de mes pilules. On n'aura plus besoin longtemps. C'est bon, je te suis! Là-bas, je le vois!
Attention! Sniper dans le Mirador! Chelly Grimley Madsen, merde. Ils devraient tous être là. Problème? Ok, Riffic est là. Parfait. Riffic, debout, allez! Pas inconnu. Alors, tu t'es infiltré ici pour me tuer ? Riffic, je suis pas là pour toi. Si je suis là, c'est parce que les Sept veulent ma mort, et que tu vas devoir m'aider à les tuer avant qu'ils me tuent. Les Sept veulent te buter ? Bah merde, alors si on m'avait dit ça... Bon, tu viens, oui ou non ? Je sais pas trop. Je te paierai. Rassure-toi. Alors sors d'ici et bats-toi. Où sont les autres? J'ai besoin de toute l'équipe. Grimley et Madsen sont passés sur la chaise. Ah, chier. Mais t'as pas bossé à la blanchisserie et Shelly a été transférée dans le bâtiment B. Ça, c'était pas prévu, Kane. La ferme. Je ferai avec les moyens du bord. Ça suffit! À couvert! Par ici. Par ici. J'arrive! Je suis pressé que tu me racontes tout ça, Kay. Comment t'as réussi ce coup-là? Ça me dérange pas que tu demandes. Si tu recommences, je te jure que je te tue. Alors tu t'es enfin décidé à descendre ta merde de petit frère ? Riffic, c'est pas le moment. Là-bas, je vois. À la blanchisserie. Merde,
prison fermée. Recule, Kane. J'ai peut-être pas de flingue, mais ça veut pas dire que je peux pas te tuer. Tu nous fais sortir de là, oui ou merde? Allez, tout le monde contre le mur. T'as pas? C'est pas le moment de déterrer la hache de guerre. Faut que tu m'aides. Que je t'aide? Tu m'as pourri l'existence, connard! Je fais plus partie des sept. Suis-moi et prends ça. C'est vrai? Sans déconner. Ouais, on prend Shelly aussi. Ah ouais? Sévère. Il faut qu'on trouve chez lui. Maintenant tu prends une arme. Je croyais que tu voulais chercher Dieu, je sais pas quoi. Voir de la mort, ça change.
des culs de merde. Ouais, peut-être. Allez, bouge. Je veux sortir de là. Avec toi. Réfique, là-bas, il y a un type appelé Lynch. Lynch, tu dis ? Le mec de Détroit ? À couvert ! Je disais bien que je connaissais sa tête. Le fils de... Hé ! Tire-toi ! Je t'ai dit de... Il est crevé ! J'ai des munitions, c'est à toi. J'ai besoin de tout le monde en haut, vite ! J'aurais dû me douter que c'était toi, espèce de... Ça permettra de faire diversion. Qu'est-ce que tu fous? Tu laisses sortir tout le monde? On dirait qu'ils se feront massacrer en bas. Hé, hey, je te vois! Juste en bas! Voilà Shelly, il est toujours en vie! Tu peux sortir? Non, ça n'ouvre que sur la cour. Tu vas devoir ouvrir les derniers portiques depuis le Mirador. Quel Mirador? Continue à avancer, tu peux pas le rater. Kane, je refuse de travailler avec Lynch. Tu connais Lynch ? J'en ai entendu parler. Il a tué sa femme. En fait, il l'a carrément massacrée. Attends une seconde. Tu as tué ta femme ? C'est pas le moment de parler de ça. Il aille se faire foutre au pacificateur, la con ! Bah, je t'aurais pas pris avec moi, putain. Hé, je suis même pas sûr de l'avoir buté. Pas sûr de l'avoir buté? Ça veut dire quoi, ces conneries? Ça veut dire que je me rappelle pas de ma femme. Mais je suis probablement pas responsable de la mort de ma femme. Quoi? Tu en dis autant? Espèce de connard. Laisse tomber. Thank you.
moi par ici. Allez, bouge! Ouais, j'arrive! Avec qui je te dis de travailler. Je suis pas d'accord, ça vaut pas le coup. Écoute, je sais ce qu'il y a à se partager. Crois-moi, ça vaut le coup. Ouais, d'accord. Ah, parce que toi, t'es un saint. Je suis désolé que ça se termine comme ça. Fais gaffe de pas en abuser. Ça peut être dangereux. Il va falloir un putain de char d'assaut pour sortir. Le véhicule de transport, vite! Il est blindé!